c'est la porte de la tombe de Li Shou. Alors Li Shou, c'était le cousin ou frère? Ah, cousin de l'empereur. L'empereur Gao Zhu. C'est sa tombe. Et ça, c'est la stèle. Comme nous, on a maintenant, il y a écrit qui est mort, en quelle année. Bah, c'était comme ça pour sa tombe. Donc là, on est dans le centre-ville de Xi'an. Je sais pas vraiment si c'est le centre-ville, mais c'est une partie où il y a plein, enfin un quartier où il y a plein de shopping, tout ça. C'est super sympa, c'est très animé le soir. Et là, on a le magnifique bâtiment tout illuminé là. Bâtiment traditionnel. Super beau. Donc ici, en fait, on est dans un endroit où autrefois c'était c'était une usine. Et en fait, il y en a une autre à Pékin qui est très célèbre, ça s'appelle 789, je crois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est super sympa, c'est qu'ils reprennent donc cette usine et ils en font un lieu artistique, commercial un peu. Et en fait, mais par contre... maintenant, il n'y a rien, c'est en travaux en fait. Donc, en fait, on est un peu venu pour rien. Apparemment, il y a un musée, donc on est en train de chercher le musée. Mais si jamais vous voulez aller à celui de Pékin, je suis allée il y a 3 ans et il est super sympa. Il y a plein de choses artistiques, des petits centres de commerce, des petits cafés et tout. Et vous pouvez voir autrefois les bâtiments pour l'usine, quoi. Là, on voit un petit peu aussi. Ils ont tout gardé. On peut encore voir les vieux bâtiments. Mais tout est en travaux. Voilà, et ça c'est presque partout à Xi'an en fait. Il y a quelques endroits où il n'y en a pas, genre en ville, mais sinon c'est presque partout. Et je viens de voir ça aussi en voyant les vélos là, qu'à Xi'an ils utilisent beaucoup de vélos, les gens, même les vélos électriques, vraiment beaucoup. Et du coup, vous voyez ce que je vous avais dit sur le fait que les Chinois n'utilisaient pas le vélo, bah ça dépend des villes en fait. Donc là on est dans une rue. Très célèbre de Xi'an, c'est que de la nourriture. Et en fait c'est une rue où il n'y a que des musulmans. À Xi'an il y a beaucoup d'ethnies en fait.
Et ici, c'est une rue où il y a une ethnie musulmane. Donc il y a plein de plats et en fait, c'est que des restaurants ici. C'est super beau. Je pense le soir, ça doit être très animé. Et les bâtiments sont vieux. Il faut être chaud, on fait ça. C'est moi, il y a tout le gelé. C'est pas gelé, c'est plutôt. Ça c'est du sucre. On peut boire? Ça c'est le sucre de canne. Et ils sont en train de le broyer, vous voyez? Et ça fait des jus. Ça aussi c'est du sucre. Là, il y a vraiment, il y a toute la carcasse. Voilà. Le bras tombé par terre, le bras collé. En fait, ce sont des criquets. Et en fait, en Chine, on les achète pour se battre. On se bat et on gagne de l'argent avec. Ça c'était du fouet. Ça c'était du foie de vache.